Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Disney. Et oui, vous m'en demandez très souvent et j'ai essayé un petit peu de vous dénicher la dernière chose Disney qui est sortie en France à ce jour, c'est-à-dire les Mystery Minis de la collection Vilain. Ils sont sortis le 9 juillet si je dis pas de bêtises et moi j'ai réussi à les avoir à Micromania. C'est une galère hein. Pour les avoir, j'ai dû commander, donc j'en ai eu trois premiers dans une boutique, c'était les trois derniers et ensuite j'en ai recommandé, ça a mis une semaine à arriver donc c'est un peu tard. Mais finalement je les ai reçus, j'en ai fait tomber un, hein, tout va bien comme d'habitude hein. Est-ce qu'une vidéo peut se passer bien sans que je ne fasse rien tomber, que je ne casse rien? Je ne pense pas finalement, mais voilà. Donc du coup aujourd'hui on a 6 Mystery Mini, donc 5 dans ma main et une par terre que je vais ramasser après, à ouvrir avec une collection vraiment super stylée. Je vais vous montrer ça, de toute façon on va passer sur la deuxième caméra. En tout cas j'ai trop hâte de découvrir ce qu'on va avoir. Il y a des mystéries plutôt rares et plutôt très très stylées, du coup c'est parti. Ok guys, du coup c'est parti pour vous présenter un petit peu la collection. Donc déjà je vous montre un petit booster de plus près, ça ressemble à ça. J'aime beaucoup la petite couleur verte comme ça, ça fait très vilain, ça fait très méchant, le vert et le violet comme ça. Je crois qu'il y avait déjà une série Vilain qui était sortie, mais les poses étaient différentes, les personnages aussi. Là je trouve que cette série c'est vraiment la New Generation, elle est beaucoup plus stylée. Et du coup je vous montre derrière les différents personnages qu'on peut avoir. Donc on peut avoir la méchante reine une chance sur 6, donc c'est celle qui va être probablement la moins rare. On va avoir la reine version vieille quoi finalement, donc elle par contre qui est très rare, 1 sur 72. Ensuite on a, je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est dans Fantasia, 1 sur 36, très 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 stylé. J'aime beaucoup ce personnage même si je ne me rappelle plus de son nom, et en plus j'ai une petite partie Fantasia dans ma vitrine donc j'aimerais bien l'avoir. Chernabog. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires, mais un truc du style, un truc du style. Ensuite, on a la belle-mère de Cendrillon, qui est, ouais, pourquoi pas, je suis pas hyper fan de ce personnage, une chance sur 36, si on l'a pas, c'est pas grave. Hyper stylée, la reine de cœur, 1 sur 12, j'aimerais beaucoup la voir. Franchement, c'est pas les personnages les moins stylés qu'il y a en facile, donc c'est cool. Ensuite, on a le capitaine Crochet, une chance sur 24. La méchante, donc maléfique, hein. J'allais dire la méchante de la Belle au bois dormant, donc maléfique, une chance sur 6, très stylée aussi. Cruella, une chance sur 24. Ok, why not. Ursula, une chance sur 6. Ok, donc très facile à avoir. Jafar, 1 sur 72. Très, très, très rare, mais je le trouve pas incroyable. Ensuite, hyper, hyper, hyper stylé. J'adore. Il est trop beau. Hadès, du coup, 1 sur 12. En rouge, j'aime beaucoup. Franchement, j'aimerais beaucoup l'avoir. Je crois que c'est celui que je veux le plus avec Tchernagog ou Tchernobyl, je ne sais plus. Et pour terminer, le docteur Facilier, une chance sur 6, facile à avoir. Ok, bah écoutez, on ne perd pas plus de temps. Moi, je suis très, très, très hypée par cette ouverture. Donc, j'ai hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de Mystery Mini. Ils en sortent pas tant que ça. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, je suis très contente. Sinon, l'avez-vous remarqué, je me suis coupé les cheveux. J'espère que ça se voit. Et j'espère surtout que c'est joli. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je voulais pas que ça soit aussi court de base. Et puis finalement, il a fait plus court que prévu et why not? Why not? J'ai dit ok, j'aime bien. J'aime bien et puis il fait chaud avec tous mes cheveux, j'en pouvais plus donc c'est pas si mal. C'est parti pour le premier booster et pour le premier booster nous avons Ursula. Ok, on commence avec Ursula, une chance sur 6, donc un personnage relativement facile à avoir. Sachant que les six boîtes, je les ai pas eues dans la même box hein, vu que j'ai fait deux commandes différentes. Je pense qu'elles viennent vraiment de deux endroits hyper différents et avoir des doubles s'annonce facile. Trop facile malheureusement. Donc voilà, Ursula, malgré tout, j'aime beaucoup les poses. Hein. C'est vraiment pas juste voilà, le méchant comme ça, tout droit. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette nouvelle collection, c'est l'originalité et toujours les Mystery Mini parce que j'adore, c'est la qualité en fait. La qualité des produits, les petits détails, c'est vraiment au top. J'adore avec ces petites boucles d'oreilles et tout. Tout y est, on adore. On continue tout de suite avec le deuxième booster. J'ai vraiment galéré à les avoir ces boosters. De base j'ai appelé le vendeur de chez Micromania. Je lui ai dit oui monsieur, je cherche les Mystery Mini Vilain et tout. Il m'a dit quoi? Je fais oui, c'est des petites figurines Funko. Il me fait ah Funko Pop, vous voulez laquelle? Je fais non, c'est pas exactement Funko Pop, c'est fait par Funko. Et il savait pas du tout en fait, il connaissait pas du tout ces produits. Je pense qu'il était nouveau. Et j'ai tellement galéré, je lui ai expliqué ce que c'était, la couleur et tout. Et il a fini par les trouver par miracle. Allez, on est reparti avec le deuxième personnage. Je sens un chapeau les gars, je sens un chapeau, donc je dirais Crochet ou Facilier, et nous avons Facilier, ok, donc 1 sur 6 aussi,
Le but, c'est d'avoir des personnages au moins 1 sur 12, hein, ça serait quand même cool. Mais bah, il est pas si mal que ça en fait. Je pensais qu'il serait pas ouf et finalement il est bien. J'aime bien avec ses petites cartes et tout. Vous voyez toujours des petits détails plutôt sympathiques. Ses chaussures, le chapeau. Non, il rend bien, il rend bien. Je l'aime bien, il est cool. Il est plutôt très cool ce docteur Facilier. Est-ce qu'il tient sur ses pieds? Oui! Et ça les gars, souvent c'est compliqué. Hein. Les Mystery Mini, surtout ceux-là qui ont des gros chapeaux, des trucs et tout lourd. Bon après il va très vite tomber quoi, là, si je fais ça. Bon, j'ai fait exprès, hein. J'ai fait exprès, vous l'avez compris. Mais c'est vrai que c'est des persos, bah, si un de mes chats se met un peu sur l'étagère, tomber, mort foutu. Ok, allez, on est reparti, on est déjà au troisième booster, les gars, ça va trop vite, on profite pas assez. Mais il faut savoir que ces boosters, ouais, ça coûte cher en plus, hein. Je les ai pas gratuitement ou quoi, je les paye. Et Micromania, avant, ils étaient à 5 euros, non, 6 euros, 5,99, et maintenant, ils les ont passés à 7 euros. Donc, vraiment ravi, mais bon, c'est pas grave. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait Ursula, mais c'est bon, on a Maléfique, les gars, Maléfique. Plutôt stylé, on va pas se plaindre, elle est très stylée, j'aime beaucoup le personnage. Les couleurs du personnage, moi j'adore le violet, fait partie de mes couleurs préférées, donc j'aime bien. Je la valide, elle est cool, mais on a encore, c'est encore une 1 sur 6 ça, ouais, on a que des 1 sur 6 là les gars. Attends, il manque plus que la méchante reine là, dans Blanche-Neige, et on a tous les 1 sur 6. Pas ouf, pas ouf, pas ouf, mais c'est pas grave, la chance arrivera dans ce booster là, je le sens, ou pas. Mais on va voir ça tout de suite. J'espère que les fans du ciné sont contents de cette vidéo, parce que... J'arrive plus à vous trouver des contenus intéressants en Disney, c'est vraiment relou ça en ce moment. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous avez des ouvertures que vous aimeriez que je fasse en ce qui concerne Disney, dites-les-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un DM sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est là où je poste tout, tout, toute ma vie en fait. Ce que je mange, ce que je fais, mes amis. Donc voilà, à défaut d'être peu sur YouTube, je suis beaucoup sur Instagram. On est reparti avec le quatrième booster, je touche ça dans mes mains et je sens une couronne qui me fait fortement penser à la méchante reine de Blanche-Neige. On s'en doutait, j'ai tout fait tomber, c'est bon, non, tout va bien. Ok, bah écoutez, elle est jolie. Elle est... En vrai, même les 1 sur 6 sont stylés, donc 1 sur 6, c'est une chance sur 6, hein, si vous n'aviez pas compris. Le focus se fait hyper mal à cause des yeux d'Ursula depuis tout à l'heure, donc on va la virer. Franchement, j'aime bien la couleur... beige, mais en fait ce que je viens de remarquer c'est que bah, elle est pas du tout comme ça sur la photo. J'ai un personnage shiny ou c'est juste qu'ils l'ont peint différemment? Je sais pas trop. C'est chelou, hein? Mais why not? Attendez, j'ai tout fait tomber. Mais je sais pas, j'aime bien, mais c'est pas normal, je crois. Hein. C'est pas normal. Mais j'aime bien sa petite couleur beige, pourquoi pas? Elle rend, je sais pas, différente, j'aime bien. Et puis elle a une belle tête. Elle a une bonne petite tête, on la valide. Ok. Bon, bah les gars, on a eu tous les 1 sur 6, là, si je ne dis pas de bêtises, il nous reste deux boosters, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, on les a tous eus, ok. Bon, maintenant, soit on n'a vraiment pas de chance et on a encore 1 sur 6, et dans ce cas-là, on aura des doubles, soit on a de la chance et on a 1 sur 12 ou un plus, pourquoi pas. Moi, je voudrais Hadès, les gars, Hadès, ce serait cool. Bon, là, je ne touche pas le personnage pour ne vraiment pas me spoil, même si je cherchais pas à me spoil avant. Mais comme ça, on laisse plus de suspense et je le lâche. Je le jette directement sur la table. Ok, on est prêt, c'est parti. J'arrive pas à le jeter. J'ai la pression, oh non! Oh non! C'est la méchante reine, encore une fois. Beige, là, bizarre. Mais on l'aime bien. Oh non! J'ai pas de chance, les gars. J'ai pas de chance. Oh là là. Bon, ben, je l'ai en double. Je l'ai en double, ok. Pas ouf, pas ouf. Dernier booster, est-ce qu'on va avoir de la chance ou de la poisse? Parce que vraiment, pour le moment... Alors autant, on a eu les quatre différents, ça c'est cool, tu vois, mais... un petit truc un peu plus rare pour le dernier, s'il vous plaît. Ça serait cool, ça me ferait vraiment super plaisir. J'adorerais. Allez, chance, fais ça pour moi, s'il te plaît. C'est parti, le dernier booster. Nous avons... Docteur Facilier. Qu'on avait déjà, c'est un double, c'est que des 1 sur 6. Cette ouverture, c'est une catastrophe, les amis, c'est une catastrophe. Je suis dépité, je suis dépité. Voyons le positif, essayons de voir le positif. Les personnages sont très jolis. Oh les gars, on n'a pas eu de chat sur cette ouverture, c'est hyper dommage. Je me suis débattue pour avoir ces boosters. Il y a même mon copain qui allait me les chercher et tout pendant sa pause de taf et tout, parce que bah, je pouvais pas y aller. Et. Ça n'a pas payé. Bon, ça a payé parce qu'on a fait cette belle vidéo, on s'est retrouvés lors d'un moment convivial tous ensemble.
Mais trop de doubles, les amis, trop de doubles, trop de docteurs faciliés, trop de méchantes reines. Et en plus, elle n'est pas de la bonne couleur, quoi, celle-là. Donc on est sur une ouverture un peu en mi-molle. Voilà, je trouve. Après, est-ce que c'est grave? Non, bien sûr que non. On est content quand même. Le plus important, c'est de participer. C'est ce que les gens disent. Mais voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une deuxième vidéo. Qu'on se laisse une deuxième chance. La deuxième chance des boosters vilains, Mystery Mini, pour peut-être espérer avoir au moins un personnage 1 sur 12, tel que Hadès ou tel que la Reine de Cœur, qui sont vraiment très 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 stylés et que j'aurais beaucoup aimé avoir. Mais bon, c'est pas le cas, pas de chance pour aujourd'hui. Écoutez, je dois tourner une vidéo juste derrière celle-là, j'ai peur de la tourner aujourd'hui. Je me dis que si j'ai autant de chance que pour ça, on n'est pas foutu. Mais bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre méchant préféré dans les commentaires, votre vilain Disney préféré. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!